suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec l'équipe de Invaders Amplification, François et Pascal, qui nous viennent tout droit de Belgique. Comment ça va les gars? Bien. Nickel. Parfaitement. Visible au taille. Franchement, la trop, classe. Trop. Merci d'être venu. Bah, merci à toi. Ils ont fait la route jusqu'ici, à Bourgoin-Jallieu, chez Aurel Musique. Donc voilà, je suis très touché que vous soyez venu. Je suis très content aussi qu'on se rencontre, parce qu'avec Pascal, on n'avait jamais eu l'occasion c'est de se voir. Fois. Voilà. Alors, on va parler de l'historique de la marque. On va parler du développement aussi, du son de Invaders, parce que Invaders, c'est un son. On oublie souvent que derrière voilà, ce développement et ces boîtes et tout ça, il y a une idée sonore. Donc, on va beaucoup en parler dans cet épisode. Et aussi de plein d'autres choses. On va parler de musique, parce que je sais que vous êtes tous les deux des musiciens. Important. Un truc rigolo, d'ailleurs. On va en parler tout de suite. C'est le scoop. c'est le scoop. Ouais. François n'est pas guitariste. Ouais. François est... batteur. Batteur. Comme Nico. Voilà. Comme quoi. Voilà. Ah. Et Pascal est guitariste, voilà. Alors, on va parler de la naissance de Invaders, sans plus attendre. Ouais. Donc, 2014, 1er juillet, je me lance en tant que réparateur d'ampli guitare, basse. Et tout s'enchaîne, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas, parce que j'ai fait ingénieur du son à la SAE, et je suis diplômé de la SAE à Bruxelles. Et je voulais me lancer en tant qu'ingénieur du son, mais j'ai fait un mémoire sur une tête d'ampli à lampe, un kit que j'ai trouvé sur internet, tu vois. Okay. Et comme je suis fort manuel, bah, ça me plaisait énormément de bidouiller, quoi, tout ce qui est électronique. Et je ne connaissais rien, hein, à part juste des cours d'électronique que j'ai eu à la SAE. Et en fait, ça s'est super bien passé au mémoire et à la présentation du mémoire à la fin de mes études. J'ai eu, je sais plus, c'était 95%, un truc comme ça, et je me suis dit... Bah, c'est quand même bête de pas se lancer là-dedans. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. On m'a demandé de réparer des amplis. Et après, en fonction de toutes les réparations que j'avais, des grandes marques qu'on ne va pas citer spécialement aujourd'hui, mais j'ai voulu lancer mes propres amplis. Et c'est là que Pascal rentre en scène, parce que Pascal est guitariste. Moi, je ne suis pas vraiment guitariste, plutôt ingé son. Pas du tout. Pas du tout guitariste. Si tu le précises. Mais c'est pas plus mal d'un côté. Parce que tu vois, moi. Je trouve ça vachement intéressant. Ouais, ouais, parce que... qu'il y a un bon mélange. On a un beau midome parce ouais. que c'est vraiment quelque chose de. Comment dire? Lui, il est guitariste et moi, j'essaie de traduire ce qu'il va me dire en termes guitariste en électronique. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se dit, ah ouais, on peut faire quelque chose ensemble et c'est vraiment très chouette et ça a toujours été comme ça et très gratifiant. Ouais. Et c'est marrant, avant de passer justement à la partie sonore du truc, le développement d'une marque d'ampli, en tout cas aujourd'hui il y a beaucoup de fabricants d'ampli, il y a beaucoup de, ouais. de marques, vous les voyez dans Tone Factory très souvent, ouais, fabricants indépendants j'entends, c'est très souvent ce cheminement-là, c'est-à-dire au début un technicien ou un ingénieur électronique, etc., électronicien, électrotechnicien, qui va réparer, qui va faire la maintenance des amplis et qui va avoir l'idée au fur et à mesure de toucher ces amplis, bien de sûr. Découvrir les différents circuits existants, mythiques ou moins mythiques d'ailleurs, de faire son propre truc, son propre son. C'est là, comme le disait François, que tu rentres en jeu, en scène. Ouais. T'es un petit peu les oreilles de Invaders, Pascal. Oui, en fait, c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Et tu me disais en off que... avec les années, vous avez tous les deux testé 20 millions de combinaisons de haut-parleurs, de tubes, de machins. Et d'amplis de réparation que François avait réparé. Donc, ouais. Ça a permis ça, d'avoir une idée, ça plaît, ceci, ça plaît un petit peu moins. Et puis, oh, ça, génial. Et puis, les idées, à un moment, ça commence à tourner. Tu dis, oh, on en reparle de temps en temps, on se voit. Ah, celui-là, il était pas mal quand même, quand je l'ai essayé, que tu l'avais réparé, etc. Et puis un jour, je vais pas spoiler moi, et puis un jour on se regarde et François me dit, avec tout ce qu'on a essayé, avec tout ce qui nous plaît, en plus on arrive à chaque fois, et on se dit, ah ouais ça matche directement quoi. Ouais. On se regarde, ah ouais ça ouais. on aime bien quoi. Ça, on se dit rien, et c'est dans les yeux et on se dit, oh. Voilà, okay, c'est fait quoi. Ouais, c'est... Et alors François, on m'a dit, on se lance, dit, allez, on essaie, ouais. on fait un petit ampli, premier jet et c'est parti. Par un 18 watts genre
Ok. M18 watts. Ah, je pense que j'allais dire une grosse puissance, parce qu'on va en parler, vous êtes plutôt du côté high gain, de la force. Ah mais d'accord, donc un petit ampli. Ouais, on a commencé petit. C'est un produit qu'on a malheureusement vite abandonné, parce qu'on n'était pas trop EL84 au niveau des tubes. Mais bon, voilà. Ça, c'est mes tubes préférés, personnellement. Mais c'était plus facile à développer avec des EL84. Oui, voilà. C'était une question de facilité. Pour commencer, c'est vraiment chouette. Et puis on est directement passé sur ce qu'on aime bien, du genre les Aigen, comme des grandes marques américaines. C'était quoi vos références en amplification? On peut en parler. Ouais, on est bien d'accord que Soldano, qui a joué un rôle hyper important d'ailleurs dans ce type de son. C'est une marque qui a marqué les esprits. Mais c'est vrai que Soldano, c'est vraiment la chose qu'on aimait. J'avais la chance. Tu as un Soldano d'ailleurs. J'avais la chance d'entrer au CDA. Et alors, on était d'accord tous les deux en l'écoutant. On va pas reproduire du Soldano, parce qu'on aime bien. On avait d'autres idées, mais Soldano, ça restait quand même une base high gain qu'on aime bien, pas trop compressée, assez chatoyant malgré tout dans le clean, un crunch bien accrocheur. Alors un très bon high gain, mais enfin, si on peut dire la marque aussi, mais c'est pas un rectifier, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus, je vais dire, c'est beaucoup plus chantant au niveau des harmoniques. Tu parlais de la compression, quand il y a eu l'avènement de Mesa avec les double et triple rectifiers, c'était vraiment le spectre était d'un coup beaucoup plus compressé. Parce que pour moi, Soldano, c'est pas que du high gain d'ailleurs. Il y a eu des mecs comme que j'adore d'ailleurs, que vous connaissez peut-être si vous nous suivez, parce que j'adore les Allman Brothers, et à un moment donné, le guitariste avec Dickie Betts des Allman Brothers, c'était Warren Haynes. Et il joue, à l'époque, il jouait sur Soldano. Il n'avait pas du tout un son, il avait du gain, mais il n'avait pas du tout un son typé hard ou assez. Du blues, clairement. Et c'était des amplis très ouverts. Moi, c'est d'ailleurs, quand j'étais gamin, c'est là que j'ai vu la première fois sur scène, avec quelqu'un sur scène, parce que voilà, les cassettes ou les DVD, je ne sais plus, à l'époque, j'étais fou de matos déjà gamin, et je me rappelle cette marque-là, et ça m'avait marqué. Ce son était typique, c'était un son unique, Soldano. On parle plutôt de clean crunch high gain, alors dans ce cas, parce que c'est toujours un peu high gain, parce qu'il y a, beaucoup d'étages de préamplification, peut-être pas dans le clean, mais ça reste quand même fortement high gain au niveau de l'électronique, en tout cas. On voulait que ça soit notre propre ampli, quoi. On voulait pas. Autant peut-être on était influencé au niveau du son éventuellement, mais au niveau de la conception même des amplis, on est parti de notre propre base. Du coup, développer votre son derrière, ce que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, je l'ai ressenti moi quand j'ai essayé le premier ampli que j'avais essayé d'Anton Factory, qui était le Bluegrass 535, qui était un ampli que j'avais vraiment apprécié pour sa personnalité. C'est ça. Parce que c'était, on aurait pu, dans l'esprit, c'était Fenderien, entre guillemets, c'est-à-dire, faut le dire, parce que c'est une famille de sons plus clairs, plus développés peut-être pour le blues, etc. Mais voilà, c'est très important, il faut pas tomber dans le cliché. Il y a beaucoup de fabricants aujourd'hui, pour moi Invaders en fait clairement partie, qui ont leur personnalité dans le son. C'est pas forcément de la copie conforme, et il faut essayer le matériel. Je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi d'autres fabricants qui font des très belles répliques, bien sûr, mais je pense qu'il faut de l'originalité. Voilà, c'est important d'avoir dans le paysage sonore aujourd'hui du frais, quoi. On va parler un petit peu de musique justement, parce que votre gamme d'ampli aujourd'hui, on parlait de high gain, mais il y a plein de choses. L'ampli qui nous accompagne d'ailleurs, donc qui est le nouveau c'est en fait un ampli qui est plus typé blues, plus typé son. Tu parlais du bluegrass que tu as testé pendant Covid. Et effectivement, ici, le Blue Verb, c'est à peu près le même sorte d'ampli. C'est juste qu'il est un peu moins puissant. Ouais. La rectification n'est plus en tube, mais en diode. Et surtout, on a écouté aussi tous les avis des musiciens. Des futurs clients, peut-être aussi. De rajouter absolument une reverb dans ce qui est une plateforme à pédale, en somme, quoi qu'il en soit, comme c'est un ampli clean crunch, clairement. Donc voilà, on a vraiment écouté le musicien pour vraiment créer quelque chose d'original, mais je veux dire répondant à la demande, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et vous, là-dedans, vous vous êtes inspiré de quel guitariste, bêtement, mais même de quel groupe et de quel son? Vous aviez quoi dans la tête pour faire cet ampli, par exemple? Moi, personnellement,
Je n'ai pas eu d'influence vraiment extérieure. Non, c'est plus quelque chose qui me plaisait à l'oreille. Moi, il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi et que je reprochais à beaucoup d'amplis, je vais dire actuels, c'est qu'un niveau de compression beaucoup trop élevé en général. J'ai bien dit, je ne fais pas une généralité, mais quand même, souvent, c'est ce qui revient. Et les médiums, il fallait moi que vraiment les médiums, quand tu pousses les médiums ou que tu pousses les aigus, les basses, quoi, c'est des basses qui arrivent. Et pas des hauts médiums, basses, on peut les deux, et les aigus pareil aussi. Non, non, il fallait qu'on ait une bonne base au niveau des médiums et une EQ qui fonctionnait bien autour de cette base de médium légèrement creusé. Et en fait, la recette d'Invader, c'est un petit peu ces médiums légèrement creusés que l'on a, pas trop envahissant, parce que d'ailleurs ici, il n'y a pas de réglage à part un switch pour un petit peu faire varier les médiums, disons la plage des médiums. Mais les médiums sont chatouillés un petit peu, ben, enfin, comme Fender à sa manière, avec les anciens où il n'y avait pas de réglage médium non plus. C'est et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais encore une fois, c'est ça qui donne peut-être l'ADN de l'ampli en lui-même. Ouais. C'est intéressant ça, parce que du coup, voilà, tout à l'heure on parlait de l'identité de la marque sonore, etc. Ça, c'est un point super important, techniquement parlant, mais si on parle purement de musique et de son, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît vos amplis. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas ce pic de médium. Alors, personnellement, moi j'aime bien aussi les amplis américains des 50s un peu méconnus qui ont ces mids un peu comme ça, de temps en temps, parce que notamment quand on joue en groupe ou quand on enregistre, c'est des trucs qui ressortent quand on fait un solo c'est ou quoi. Par contre, c'est vrai que pour mettre un drive ou même pour avoir un son qui soit plus doux dans le mix et faire des jolies rythmiques et tout ça, ça c'est redoutable. Et ne pas avoir le réglage de médium finalement, ça j'aime assez aussi, c'est ne pas laisser le choix, c'est comme ça, et l'identité de l'ampli elle est comme ça. Ça je trouve ça chouette. On veut rester simple au niveau utilisation, ampli plug and play comme on appelle ça. C'est vraiment, on rentre le jack, on joue. Pour revenir un petit peu là-dessus, l'avantage aussi de ne pas avoir trop de médium et malgré tout d'avoir un ampli de caractère, c'est que vu que c'est une plateforme à pédale, si toi tu veux un petit peu plus de médium et que tu vas mettre, une pédale verte, va-t-on dire, d'overdrive, on n'a pas la cité devant, mais là elle va prendre tout son sens. Si tu as déjà un ampli qui te bouffe des médiums dans tous les sens et que tu mets ça en plus, tu vas dénaturer un petit peu ta pédale, tu vas dénaturer ton pédalier, tu vas pas retrouver le son que tu avais peut-être sur un autre ampli, etc. Tandis qu'en restant neutre, assez neutre, mais avec malgré tout le caractère, ça reste, pour moi, c'est ça la vraie plateforme à pédale, en ce qui me concerne. Alors, parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que quand je teste ces amplis, généralement, il y a un moment donné dans la vidéo où vous me voyez mettre une pédale voilà, sur ce genre d'ampli, parce que sur le papier, on dit que c'est une plateforme à pédale, mais j'aime aussi beaucoup les jouer sans rien, c'est-à-dire c'est des amplis qui sonnent extrêmement bien, pour avoir encore souvenir du premier que j'avais essayé, c'était du Bluegrass, pardon, c'était vraiment le truc, c'était qu'il sonnait comme ça tout seul déjà, super bien, avec beaucoup d'identité encore, avec un super joli crunch et avec un volume très contrôlé. Ça c'est important les amis, puisque j'entends beaucoup de gens qui disent fais attention à tes oreilles, l'ampli il est trop près, etc. Je joue à un volume conséquent, mais je joue pas comme un sourd, et surtout je me mets pas l'ampli dans la tronche, donc j'aime bien avoir un ampli qui soit défini, qui crunch bien, mais sans me fracasser la tête, quoi. C'est très important, je trouve. Puis même en groupe, d'ailleurs. Aujourd'hui, sur scène, on est repiqué. Même si j'aime bien m'entendre sur scène, personnellement, avec l'ampli, c'est important. Sauf sur les gros plateaux, personnellement, j'en demande pas dans les retours. J'aime bien avoir un ampli qui s'exprime, quoi. Entendre le haut-parleur, etc. Mais pas
passer par-dessus la mêlée, ça sert plus à rien aujourd'hui, donc, je pense. Ouais. Après, c'est toujours cool d'avoir le fantasme de la rockstar. Ouais. Le triple... Le mur du son, quoi. Derrière, ouais, voilà. Bon. Ça, ouais. Mais au-delà de ça, dans la vraie vie, surtout quand on se balade avec du matériel, oui, on surtout, va parler de ça d'ailleurs tout de suite, parce que celui-là, derrière, là... Ouais. Ça, c'est vrai que c'est le. Quand t'es arrivé avec ça ce matin, j'ai fait, mais c'est super ça. Ah, et je l'ai fait rien que pour toi, tu te rends compte. Ah oui, pour la petite histoire, ouais. Les amplis, il y a quelques jours encore, ils étaient pas prêts. C'était ouais. Vraiment le speed, donc merci beaucoup d'avoir. Et, ouais. Et merci assuré, à mon menuisier qui s'est vraiment donné à fond, parce ouais. Qu'on a un menuisier qui fait toute la menuiserie chez Invaders, ouais. Et surtout pour le massif. Et franchement, il a speedé en 3-4 jours. Merci David. Et le résultat est vraiment superbe. Ouais. La finition des amplis est d'enfer. Clin d'œil à Boogie avec. Ouais, ouais. Canages, c'est vrai que Boogie est vraiment une référence aussi pour nous. Esthétique, c'est esthétique, on aime bien. On aime bien. C'est vraiment c'est ça aussi, classe, c'est des amplis qui ont marqué. Parce oui. Que quand ils sont arrivés, il n'y avait aucun ampli comme ça, tout simplement, déjà au niveau look, au ouais. Niveau son aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Mais voilà, là je trouve. Celui-là, là, le petit, ouais. Le combo, c'est un 12 pouces là-dedans, ouais. Les amis. Parce que j'ai cru que c'était un 10 pouces, mais la première chose que j'ai fait comme un idiot, c'est que j'allais dire, ah, c'est un 10 pouces. Ah, non, c'est non, un 12 pouces. Et c'est super d'avoir un haut-parleur comme ça là-dedans pour aller jouer, je disais, en club. On met la gratte sur le dos, on prend ça. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez emmener les pédales, vous faites comme vous voulez, mais franchement, même déjà, comme je le disais tout à l'heure, sans pédales, ça marche bien. D'enfer dans ouais. Un répertoire blues rock, en tout exactement. Cas, il n'y a aucun souci. On va jouer ouais. Avec un vrai son. C'est parfois dans ces conditions-là de jam, etc. Je pense, voilà, jam parisienne entre autres, mais dans toutes les grandes villes, il y a des clubs. Bien sûr. Voilà, et on descend avec son petit ampli, son petit 10 pouces, etc. C'est chouette, ouais. Mais... Il manque quelque chose. Hein. Alors, on n'a pas son quelque part. Ah, mais le rendement du 12 pouces, c'est bien. Hein. C'est, bah, oui. C'est beaucoup plus chaud. Et alors, apparemment, le rendement aussi, l'avantage qu'il y a avec l'ampli ici qu'on a essayé, c'est que tu joues à mi-volume, que tu joues à bas volume chez toi ou au volume, le son reste encore vraiment... Le grain de l'ampli reste quasiment le même. Quoi. Ouais, c'est et ça, c'était très important pour nous ouais. Aussi. Que le gars qui arrive et qu'il puisse jouer dans un auditorium comme ça, pour essayer l'ampli, ah ouais, ça donne, je suis sur 8 de volume, t'as la patate, il rentre chez lui, il le met sur 2, il ne retrouve pas ah ouais. Son ampli, ça n'avait aucun intérêt pour nous non plus. Ah ouais. Ça aussi, bah, ça c'était le test d'ailleurs, beaucoup en magasin, ça c'est intéressant parce que souvent on me dit « ça sonne hein !» Bah oui, ça sonne, mais on est sourd par contre. C'est sûr. Je me suis rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de qualités maintenant dans l'amplification moderne qui permettait... du travail aussi de recherche qui permettait de ouais. Faire sonner un ampli à bas volume ouais. Ou à volume raisonnable ouais. En ayant les sensations ouais, comme ça, tu disais garder les mêmes, voilà. Sans perdre trop de dynamique le même spectre de fréquence qui reste identique et, ouais. Et c'est super important ouais, hein, de nos jours aussi. Parce que les gens jouent en appartement, à la maison, en local de répète ouais. Ou sur scène et ils vont pas acheter un ampli de chaque ouais, ouais, chaque circonstance c'est, quoi c'est pas possible et multi-emploi quoi quelque part c'est souvent ça, d'ailleurs j'entends des ou je vois dans les commentaires où j'entendais quand je bossais au magasin aussi dans la clientèle ouais alors moi je cherche un 5 watts pour vraiment jouer en appart etc et moi j'ai toujours trouvé que c'était un faux problème les watts ouais, c'est à dire ouais. Que si un ampli est bien c'est fait qui a un bon master volume on peut jouer en appartement même avec un 50 watts d'ailleurs en ouais. Termes de watts combien on en a pas parlé donc c'est un 530, donc c'est la série 5 et c'est 30 watts, donc, okay. Mais toujours divisible par 2 au niveau des puissances chez Invaders. Donc on se retrouve avec un 15 watts avec le switch à l'arrière de puissance, okay. Mais toujours aussi avec un master volume, tu vois, à l'avant. Donc on peut vraiment peaufiner le son et la dynamique qu'on volume, veut en ouais. Fonction des circonstances de jeu. Et c'est ça qui est super agréable. Niveau compact aussi, bah, c'est difficile de faire mieux, comme tu l'as dit, avec un 12 pouces. Au niveau des tubes, là-dedans, c'est quoi, du coup ? Alors, on est sur du 6L6, ouais, ouais. Donc c'est vraiment typé fort américain. Mais voilà, on peut tout jouer avec ce genre d'ampli-là. Ouais. Il répond vraiment bien dans toute la plage de fréquences et c'est vraiment chouette. Et de toute façon, encore une fois, on s'adapte aussi avec des pédales devant. Bien sûr, ah bah ça après, tout le monde fait son. Oui, évidemment, ça c'est sûr. Ouais. Au niveau des artistes, on va en parler un petit ouais. Peu, qui jouent sur Invaders, quel artiste déjà t'a marqué que ouais. T'as contacté ou que t'as pu rencontrer ? Ouais. Alors moi, je pense que ma plus belle rencontre... depuis après Covid parce que ouais, je pense qu'il faut vraiment jouer avant, après, pendant avant c'est monde, plus simple niveau temporel mais ouais c'est vrai que Nelson de Skip the Use yes. C'est... quand j'ai reçu son appel la première fois je me suis dit ok c'est une blague ou c'est pas une blague et en fait non c'était pas une blague il m'appelle j'ai envie de tester tes amplis parce qu'on m'a parlé de toi et tout je connaissais pas la marque et tout
Et finalement, bah ouais, je suis allé à Paris un mois après chez lui avec les amplis pour lui montrer et lui faire essayer. Et il a accroché tout de suite. Et finalement, il a toute la gamme chez lui à l'heure actuelle. Okay, donc ouais, non, c'était vraiment une belle expérience. Moi, j'aime bien cette relation artiste. Et d'ailleurs, il y a Romain Humeau qui va bientôt ressortir de studio. Et il me dit qu'il a enregistré avec le 550 Bluegrass le prochain album. Et je me dis, c'est quand même la classe. Quoi. Ça, c'est une belle récompense du boulot accompli. Oui, c'est quand les amplis tournent sur scène. Quand je discute avec des fabricants, souvent ils me disent le meilleur salaire, en fait, c'est ça, c'est quand on va voir un concert ou quand on voit un concert à la télévision, etc., ouais, et qu'on voit ses amplis et qu'on entend ses amplis sur scène. Je peux comprendre, après toutes ces années de boulot et de recherche, c'est quand même génial. C'est un petit pincement au cœur, on se dit punaise, quand je pense que j'ai commencé dans une véranda avec plein d'humidité partout. Ouais. Et puis finalement, je me retrouve quand même dans un atelier assez conséquent qui ressemble plutôt à une maison, mais bon, bref. Mais, et tout ce qu'on a fait ensemble, des heures de recherche. Oui, justement, c'est des heures de recherche. On se dit, réparer les amplis de toute marque, ça va, c'est plus ou moins facile quand on s'y connaît. Mais créer ces amplis, on pense qu'on connaît déjà tout, mais en fait, on connaît rien du tout. Que ce soit au niveau du câblage, au niveau de la conception, au niveau des normes européennes, parce que ça, on oublie aussi qu'il faut que tout soit aux normes européennes ou même américaines, ça dépend un petit peu où tu vends. D'ailleurs, je te coupe, mais on parle de normes européennes et normes américaines. Tu vends des amplis aussi du côté américain ? Ouais, bien sûr, ouais, de temps en temps. Ouais. Ce qui m'intrigue, c'est comment une marque belge arrive à se faire connaître de l'autre côté où on sait, les Américains et les Canadiens, enfin tout le continent nord-américain, il y a du matos déjà. Il y en a des marques, il y en a des fabricants aussi là-bas. C'est un petit peu aussi, parfois on aime les réseaux un petit peu exotique aussi. Oui, oui. Ils veulent un ampli. Mais je pense que on a une vision des États-Unis, nous, et aux États-Unis, ils ont une certaine vision de l'Europe. Qui leur plaît bien aussi pour certaines choses. Puis, on vient de Belgique aussi. Et parfois, enfin, je ne vais pas dénigrer la France, mais parfois, ça fait encore plus exotique, tu vois. Se faire connaître aux États-Unis, c'est compliqué. Maintenant, les réseaux sociaux font beaucoup aussi. Les contacts, on a un groupe canadien qui joue avec nos amplis, The Dumb Truth. Et voilà, ça prend tout doucement les youtubeurs américains aussi, quoi qu'il en soit. Tu as fait faire des démos aussi là-bas ? Ouais, ça arrive, ouais. Et on a un ami qui va faire... qui joue sur nos amplis. C'était notre premier renforcement, d'ailleurs. C'est Michel Brasseur, Jean-Marie Gorant. Un artiste belge, Parlez-moi d'occasion. Qui joue d'ailleurs avec le nouveau combo. Il a switché, d'ailleurs. Il était avec l'ancien combo. Enfin, l'ancien, le Bluegrass, qui existe toujours, d'ailleurs, mais qui a choisi la version plus compacte. Et franchement... C'est un gars qui joue seul. Ouais. Il fait entre 140 et 160 concerts partout, par an. Et il fait une à deux tournées américaines aussi. Donc c'est une vitrine aussi pour nous. Il va jouer dans les petits clubs, etc. Ouais. Et c'est une vitrine même aux States pour nous, quoi. C'est et Galia, que tu connais, je pense. Ouais, Galia Volt. Ah oui, c'est vrai. Bah, oui. J'ai oublié d'en parler. Galia donc, aussi, qui joue avec le 550 qui Bluegrass. Qui est belge. Et avec elle, c'est vrai qu'on s'entend très bien aussi au niveau ampli. Et elle joue avec le 550 Bluegrass. Elle joue sur 550. Et même aux États-Unis, elle a un 550. Okay. Ouais, c'est chouette. Et 10 ans, donc cette année, la suite, c'est quoi pour Invaders ? Déjà, tenir le coup. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est toujours une question, quand tu as une entreprise et maintenant plutôt une marque, c'est important de rester au courant de ce qui se passe dans le monde et au niveau du monde de la musique et pouvoir s'adapter, se renouveler. Et pas rester toujours dans ses propres marques et vraiment aller voir en dehors. Et c'est comme ça que je pense qu'on doit faire pour entretenir la marque, en fait. C'est super important. Et comme disait Pascal, je pense être à l'écoute, il n'y a rien à faire. Encore récemment, on nous a dit « Ah oui, il faudrait que le Blueverb soit un peu plus serré, un peu plus tight au niveau des basses. » Et finalement, on a testé un truc et une modifié électronique et on fait « Ah ouais, c'est peut-être mieux comme ça. » C'était pas plus mal. On l'a adapté comme ça. Et on est vraiment à l'écoute et on se remet souvent en question, en fait. Et je pense que c'est
dans la vie de tous les jours, je pense que c'est bien aussi de se remettre tout le temps en question. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, ouais. Je pense et avancer comme ça, et sans se prendre la tête de trop, hein, sinon on devient fou, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut... Oui, parce que on prend les critiques constructives. C'est là, ça, évidemment. J'entends bien. Autrement, si tu écoutes tout le monde, tu t'entends plus. Tu t'en sors pas, il te faut des bien sûr. Comme ça, il te faut des amplis ainsi, et tu sais plus quoi donc. Tu fais un ampli pour chaque mi-temps à la fin, et t'as plus. Bien sûr. C'est comme ça qu'il faut avancer, et on verra bien comment ça va se passer, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ici, le digital prend beaucoup d'ampleur, mais bon. J'ai pas peur de ça parce que je travaille avec Two Notes déjà pour nos cabinets. Et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître parce qu'on peut pas vendre des cabinets au Japon, aux États-Unis. Ça coûterait trop cher au niveau de l'envoi pour le moment. Et donc, les gens peuvent acheter les profils chez Two Notes et pouvoir nous connaître de n'importe où. Ça fait déjà aussi circuler le nom. On les a refait récemment avec des haut-parleurs Celestion. Et là, maintenant, on va avoir une gamme énorme au niveau palette sonore chez Two Notes. Ça se complète. Ça se complète. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que dans l'arrivée du numérique, voilà, il y a le pour, le contre, etc. C'est pas le débat. Mais je pense qu'il y aura toujours des guitaristes qui joueront sur des amplis à lampes, sur scène, etc. On en vient toujours au physique. Parfois, on entend, mais ça, c'est fini, c'était le monde d'avant, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de monde d'avant. C'est comme le CD, le vinyle, quoi. C'est comme le vinyle, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, il faut tout pour faire un monde, comme on dit, et je trouve que c'est très bien comme ça. Puis les gens, ils aiment bien parfois avoir quelque chose. Ils sont le rempli, c'est pas toujours là. Moi, je pense que. En tout cas, pour connaître votre marque physiquement parlant, je peux comprendre qu'il y en a qui cherchent aussi la facilité, etc. Avec des marques qui sont très bien faites, comme Tunos d'ailleurs, ou autre. Mais c'est personnellement quand même cool aussi d'avoir une sensation physique de son. Et... Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars, c'était super intéressant. J'étais ravi d'en savoir un petit peu plus parce que je connaissais évidemment bien la marque, mais... Voilà, j'espère que vous aussi, d'ailleurs, à la maison, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur cette marque très intéressante qui est Invaders. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, on va se quitter en musique. Ah ouais. Comme il se doit. C'est parti. Je vous laisse faire, alors. Parce que vous l'avez compris, moi, je suis pas guitariste. Je vais pas essayer pour une... Non. Je sais pas que c'est les 10 ans d'Invaders, mais... Non. Mais je peux plus jouer à la batterie. En tout cas, merci beaucoup encore une fois et à très bientôt les amis dans Tone Factory. Je vous laisse toutes les infos évidemment sur Invaders sous la vidéo, comme d'habitude. À bientôt. Ciao.